Salut à tous, c'est Cardan. On se retrouve aujourd'hui pour ce nouvel épisode du Let's Play de Danganronpa. Nous allons continuer tout de suite la partie. Alors nous étions toujours au chapitre 4. Et la nuit venait de passer, c'était une nouvelle journée, mais moi j'avais un mauvais pressentiment. Oui, nous allons sortir. Effectivement. Je pense que j'avais bien fait d'arrêter. En fait, c'était la troisième nuit d'affilée. Je me disais trois nuits où ça se passe rien. Ouais, il se passe rien de grave. Hein? C'est quelqu'un qui crie comme ça? Je crois que ça venait de la salle à manger. Ah ben, on n'aura pas besoin d'aller loin. Hein. Allez, hop, on court, on court. Qu'est-ce qu'il se passe? Ah, Makoto, on a un gros problème, mec. Qu'est-ce qu'il y a? Regarde. Le doigt d'Hiro trembla alors qu'il montrait. Oh, oh, Sakura-san. Ah non, elle a pas l'air morte, mais ça fait flipper là. Non, 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 elle n'est pas morte. Ouvrez les yeux, elle est clairement pas morte. Pourquoi? Que s'est-il passé? Bah, Toko et Ina, d'un coup, elles étaient en train de hurler et là. Elles ont fait tomber le pauvre de la table. Et ça a mené à un éternuement. Les énormes ballons sont un peu trop parfaits, pas vrai? J'ai beau être plate, au moins, les miens sont des vrais. Et regarde ma magnifique clavicule. Elle te donne pas la prise. Bref, les garçons. Sortez-la de ma vue, ok? Sinon... Je vais mettre à couper, 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 me laisser aller. Qui c'était pour combien de temps? Ok, on menons Ina à l'infirmerie alors. Allez, Hiro, aide-moi. Ouais, bien sûr. Le rire effrayant de Sho la génocidaire nous poursuivit à l'extérieur de la salle pendant qu'on transportait Ina. Elle avait pas l'air si blessée que ça, hein, fort heureusement. J'ai eu peur, hein. Regardez, elle tient droite, y a pas de problème. Au moment où j'avais fini de m'occuper de la blessure d'Ina à l'infirmerie, elle semblait finalement retrouver son sang-froid. Merci. Tu es sûr que tu vas mieux? Ouais. C'était juste une ingratitude. Ah, mais quand même, c'était super limite. Si je n'avais pas crié, tu serais morte maintenant. Tout est grâce à moi, tu sais. Ouais, t'emballes pas, toi. Oui, eh bien, merci mille fois, monsieur. Oh là. Tellement sarcastique. Ça te rend encore plus hostile. Bah alors, Azaina. Hey, Ina. Mais qu'est-ce qui a bien pu se passer? Oh, on s'est juste disputé. Et j'ai fini par m'emporter au final. Disputé? Laisse-moi deviner. Cette bagarre, c'était à cause de ça quoi? D'abord, j'ai juste essayé de l'ignorer. Si tu laisses des trous du... idiot t'embêter tout le temps, tu n'auras jamais le temps de pouvoir vivre ta vie. Mais elle ne voulait pas lâcher l'affaire, alors j'ai juste... Sans y réfléchir, j'ai senti que je voulais la frapper une douzaine de fois. Une douzaine de coups de poing, ce n'est pas vraiment sans réfléchir. Mais c'est clair. Et quand les choses devenaient hors de contrôle... Sho, la génocidaire, s'est lâchée, pas vrai? C'est de ma faute. Mais je ne pouvais plus supporter tout ça. Parce qu'elle disait toutes ces choses horribles sur mon ami, tu sais? En un instant, des larmes ont commencé à apparaître dans les yeux d'Ina. Et juste au moment où les larmes étaient sur le point de se déverser, la porte de l'infirmerie s'est ouverte d'un coup. J'ai cru qu'elle allait sortir de ses gonds. Puis elle s'est tenue devant nous. Asahina. Ina. Sakura. Tu es blessée. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien. C'est pas grave. Oui. Makoto, Hiro, que signifie tout ceci? C'était pas moi. C'était Sho le génocidaire. Peut-être la faute de cette meurtrière diabolique et démente.
Onore. D'avoir blessé Ina. Maudite sois-tu. Me laisser seul. Mais la blesser. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ah! Je vais bien, vraiment. C'est juste une égratignure. Impardonnable. Je ne peux pas les pardonner. Hiro, si tu veux détester quelqu'un, déteste-moi. Si tu veux blesser quelqu'un, blesse-moi. Je ne te déteste pas exactement. Pourquoi? Que quelqu'un m'aide. Hiro a presque trébuché sur lui-même pendant qu'il courait en hurlant en dehors de l'infirmerie. Mais une seconde plus tard... Qu'est-ce qui se passe? Mais... Pourquoi tout ce vacarme? Yoko se tenait devant la porte de l'infirmerie, prenant la place d'Hiro dans la pièce. Doyara. Je devine que quelque chose s'est passé. Yoko, s'il te plaît, tu dois arrêter Sakura. Mort. Il n'a pas besoin de m'arrêter. Je vais bien. Je ne vais rien faire, je vais juste... Je fais une distinction, ici et maintenant. Une distinction? Sarabada. Au revoir. Attends, Sakura! Ina bondit dans l'action, quittant l'infirmerie pour poursuivre Sakura. Les seules personnes restantes étaient... Gilly Gilly qui me fait la tête. Et moi. Yoko? Est-ce que tu es toujours en colère? Ouais, j'avais deviné. Eva. C'est bon. Hein? À propos de ce problème dont nous avons discuté plus tôt, ça n'a plus d'importance. Ce problème. Alors, est-ce que tu me pardonnes de ne pas avoir été capable d'en parler? C'est mal. Tu aurais pu me parler de l'affrontement entre Sakura et Monokuma, mais tu es resté silencieux. Tu ne pensais qu'à Sakura, et c'est pourquoi tu ne m'en as pas parlé, pas vrai? Tu ne voulais troubler personne jusqu'à ce que tu puisses lui parler de ce que tu as vu. C'est ce que tu pensais, et c'est pourquoi tu ne m'as rien dit, pas vrai? À ce point? Penser comme cela... Je n'aurais jamais pensé une telle arrogance de ta part. Quoi? Parce que finalement... Ça veut dire que tu ne me fais pas confiance. Mais oui, mais... C'est pas moi, hein, c'est le jeu. Non, ce n'est pas ça. Mais si c'est ce que tu ressens, je ne peux pas vraiment changer ce que tu penses. Je suis désolé. Eva. Mais bon, j'ai déjà oublié cela. De plus... J'ai peut-être... réagi excessivement. Alors, en toute honnêteté... Moi, je pense pas. Moi, je comprends... Yoko Kiligili. Regardez, elle rougit. Hein? Peu importe. On en a fini avec ça. Comme je l'ai dit, oublions juste ceci. Oh, ok, merci. Ouais, on n'est plus d'ici en dispute. Et on a un deuxième texte sur lequel on peut rebondir. Ce problème dont nous avons discuté n'importe plus. Je veux te parler de quelque chose d'autre. Alors, comment ça marche quand il y en a deux? Ah, je peux bouger comme ça. De quoi voulais-tu me parler? En fait, je voudrais que tu m'accompagnes quelque part. J'ai des choses à faire là-bas. Où? Soleva. Viens juste avec moi et tu verras bien. Je pense, mais... Ikimashouka. Eh bien, nous pouvons y aller? Avec son indifférence typique... Kyoko se tourna et s'en alla, établissant une allure rapide. Ah, Kyoko! Je me suis dépêché de la rattraper. Ouf, on n'est plus en dispute avec Kyoko. Elle marcha en silence. Et en silence, je la poursuivais. Et enfin, nous sommes arrivés. Ok. Ah, il y a encore Alter Ego qui est là. Le vestiaire? Donc cette autre chose que tu as mentionnée. Eh. C'est vrai. C'est en rapport avec Alter Ego.
Mais tu avais dit que nous n'avions plus besoin d'alter ego. Tigawa. Je n'ai jamais dit que nous n'en avions plus besoin. J'ai juste dit qu'il avait fini son travail. D'ailleurs, ce n'est pas nous qui avons besoin d'alter ego. C'est lui qui a besoin de nous. Hein? So. Alter ego m'a demandé de ramener les autres pour leur parler. Apparemment, il y a quelque chose à nous demander. Alter ego veut nous demander quelque chose. Alors ça, c'est ce qu'il vient de dire. On va regarder avec Alter Ego, du coup. Non, bonjour. Oh, donc il n'y a que vous deux, Kyoko et Makoto. Les doigts de Kyoko glissèrent sur les touches du clavier. On ne sera pas assez à deux? Non, ça ira. Deux devraient suffire. Mais qu'est-ce qu'il veut nous demander? Et si nous lui demandions? Kyoko saisit la question au clavier. Que voulais-tu nous demander? Oui, donc... J'aimerais que vous m'emmeniez quelque part où vous pourriez me connecter au réseau de l'école. Quoi? Kyoko et moi avons échangé un bref regard. Elle répondit. Pourquoi? Eh bien... Vous aviez dit que ma tâche était accomplie, n'est-ce pas? Mais devoir arrêter ici, en disant que ma tâche est accomplie, je refuse. Je veux continuer à être utile à tout le monde. Je veux travailler aussi dur que les autres pour qu'on puisse tous sortir d'ici. C'est ce que mon créateur aurait voulu. Donc, pour aider tout le monde à résoudre le mystère de cette école, je ne pouvais pas vous aider. Que si vous... Je ne pourrais vous aider que si vous vous connectez au réseau de l'école. Mais si tu te connectais, ce serait totalement suicidaire. Je suis sûr que l'instigateur le découvrirait, et il te trouverait, et il... Tu es d'accord, pas vrai, Kyoko? Je réalise à quel point ça pourrait être dangereux. Mais même en sachant ça, je dois le faire. Je suis effrayée, mais je peux le faire. Je ne comprends pas vraiment pourquoi, mais... Quand je pense aux autres, mon courage commence à croître. Vous devez penser que je suis juste une IA inhumaine, mais c'est la vérité. Alors, tout va bien. Si c'est pour le bien de tout le monde, je ne serai pas effrayée. Je ne pus m'empêcher de me perdre dans ces paroles. C'était bien trop engagé, trop admirable, trop fragile. Mais... Tu te souviens de ce que tu as demandé juste avant, Makoto? Tu as demandé la différence entre une personne et un programme, c'est cela? À ce point? Tashikani. Quand je parle à Alter Ego, je ne sais pas. Je n'ai aucune idée de la réponse à cette question. Je pense que c'est une question à laquelle même le créateur du programme ne peut répondre. Mais je suis au moins sûr d'une chose. Ça. Il ne fait aucun doute qu'Alter Ego est notre ami. Kyoko, pour être franche, je ne voulais plus qu'Alter Ego se surmène en nous aidant. Car si l'on prend plus de risques, l'instigateur va finir par le remarquer. Mais... Naegi-kun. Allons-y, Makoto. Connectons Alter Ego au réseau. Mais... Mais... C'est notre ami. C'est pourquoi je tiens à prendre ses sentiments en considération. Et il a dit vouloir se battre aux côtés de ses amis. Moi aussi. Si tu étais à sa place, pourrais-tu rester là, assis à ne rien faire dans cette situation? Si tu voyais tout le monde se battre et faire de son mieux, ça t'irait de juste les regarder faire? Ou est-ce que tu te relèverais? Est-ce que tu te tiendrais debout à leur côté et leur dirais que tu es leur ami? Dites, vous ne seriez pas en train de vous battre? Si c'est à mon sujet, ça ne vaut pas la peine. Je veux croire en moi. Je veux pouvoir dire, je sais que je peux le faire. Alors s'il vous plaît, laissez-moi essayer. Mais... Mis à part ça, il y a un endroit où l'instigateur pourrait ne pas nous remarquer. Un endroit? Soyo. Tu te souviens? Il y a un autre endroit, hormis celui où il n'y a pas de caméra de surveillance. Une salle sans caméra de surveillance. Bah, la salle secrète, hein.
C'est ça, la salle secrète dont tu m'as parlé. Je m'en rappelle maintenant. Il n'y avait aucune caméra de surveillance là-bas. Et je crois que l'on peut se connecter au réseau depuis là-bas. Je me souviens avoir vu une prise Ethernet sur le mur. Cependant, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de caméra là-bas qu'il n'y a pas de danger. Il n'y a aucun moyen de s'assurer que l'instigateur ne surveille pas le réseau. Il nous faudra aussi déplacer Alter Ego. Et l'instigateur pourrait nous remarquer en train d'aller à la salle secrète. S'il nous surprend, pour quoi que ce soit, alors tout sera fini. Tu as raison. Mais malgré tout cela, je pense toujours que nous devons essayer. Car ça reste notre meilleure chance pour trouver des indices. Kyoko. Dans ce cas, me laisserais-tu le porter? Tu n'arriverais pas à le cacher avec les vêtements que tu portes en ce moment, pas vrai? Alors laisse-moi faire. Très bien. Je m'en remets à toi. Merci. Sur ce, commençons. Ce sera un petit peu serré pour toi, Alter Ego. Tiens le coup, d'accord? Ça va, c'est un ordinateur. Tout de suite après, nous avons commencé à le cacher. J'ai fermé l'ordi et l'ai fourré sous ma veste. Bah alors ça, franchement, ça n'a aucun sens, mais bon. Ça chatouille. Chut, tu ne peux pas parler pour le moment. Nous allons t'emmener dans une autre salle. Et tu dois absolument être silencieux jusque là-bas, d'accord? Compris. Votre ordre a été exécuté. Bien. Le voir réagir comme ça, tel une machine si soudainement, je ne savais pas comment réagir. Dans la salle secrète, il y a tout un tas de différents câbles dans un des tiroirs du bureau. Alors, il pourrait y avoir un câble réseau là-dedans. En assumant que l'instigateur ne les a pas déjà pris. Eh bien, tout ce que nous pouvons faire, c'est d'y aller et de vérifier par nous-mêmes. En effet, dirigeons-nous vers cette salle secrète. Bah, ils vont pas avoir l'air louche, hein. Sachant que l'instigateur connaît déjà la salle. Je sais plus à quel étage c'est pas ici, c'est l'étage suivant. Sachant que l'instigateur connaît déjà la salle, c'est déjà qu'on y est allé, vu qu'il a tout vidé. Et en plus, bah, ça peut paraître assez étrange, hein, que Kyoko et Makoto y aillent ensemble aux toilettes des hommes. C'est un peu étrange, non? Bah voilà, bref. Ça m'a fait peur. Tout à fait, je suis bien d'accord avec ce que tu dis. Mon obsession. Qu'est-ce que tu fais? Je vis. Je vois. Peu importe, je retourne dans ma chambre. Je serai juste là, vivante. Totalement calme. Elle a complètement craqué, hein, elle. Elle fait trop peur. C'est ici. Hé, Makoto. Tu es sûr que tous les documents ont disparu? J'ai du mal à te croire. Va encore vérifier. Quoi? Vas-y, et fais vite. Et pour être certaine que tu ne vas pas t'enfuir, je vais t'attendre ici. Oh, je comprends, elle joue. Elle a parlé si sèchement, je pensais encore l'avoir mise en colère. Pourquoi est-ce que tu restes ici? Fais vite. Ça, c'est malin. Comme ça, s'ils sont filmés et enregistrés là, bah, en gros, l'instigateur, il sait qu'on a découvert cette pièce secrète. Il imagine juste que là, Kyoko lui dit, bah, va vérifier qu'il y a bien tous les documents qui ont disparu. Donc, il n'a pas de quoi s'inquiéter, en fait. Ouais, j'y vais. Et sois minutieux. Je compte sur toi. Ça, c'était mal, hein. Alors. Hop là. C'est quoi tous ces documents qui étaient pas là avant? Bien, d'abord je dois trouver un câble réseau. C'est bizarre là. Ah bah on peut pas les lire. Donc que ça c'était pas là, hein, mais bon, bref. Selon Kyoko, il devrait y avoir plein de câbles dans ce tiroir.
Oh, un câble réseau. Maintenant, j'ai plus qu'à connecter Alter Ego. Je me suis immédiatement mis à la tâche. J'ai pris l'ordinateur et je l'ai connecté au port Ethernet avec le câble. On note qu'ils ont quand même laissé les mouchoirs, c'est sympa. Et ça devrait le faire. Ouais, je crois que ça marche. Laisse-moi m'occuper du reste. Je jure que j'ai trouvé quelque chose. Peut-être que je pourrais même me connecter au monde extérieur. Si j'y arrive, j'appellerai de l'aide. Alors s'il te plaît, attends un petit peu. Tiens bon, et fais-moi confiance. Juste avant de partir, je lui ai dit une dernière chose. Peu importe ce qui nous arrivera, nous sortirons d'ici, toi et tous les autres, en amis. Amis ? Même moi ? Merci. Merci beaucoup, Makoto. Naegi-kun. Comment ça s'est passé ? Eh bien, plutôt pas mal. Mais comme je te l'ai dit, tous les documents ont disparu. Ma réponse était un mix involontaire de jeux d'acteur et de sentiments bien réels. So. Je vois. Il n'y a plus rien pour nous ici. Ja-ne. Au revoir. Avant que je ne m'en rende compte, Yoko partait. Elle ne jouait plus, ça, c'était certain. Ah, Kyoko. Nani ? Oui. Alors on va se séparer ? Nande ? Évidemment, je n'ai plus aucune raison de rester avec toi. Oui, peut-être, mais ce n'est pas un peu trop direct ? Je devrais hésiter et chercher quelque chose à dire. Tu as tant besoin d'attention. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je devais juste te parler d'autre chose, genre. Qu'est-ce que tu vas faire au sujet de Sakura ? Son. Eh bien, quelque chose doit être fait, c'est vrai. Demo. Mais dans l'état actuel des choses, il n'y a aucun moyen de persuader qui que ce soit. Ils n'ont pas l'esprit à écouter. Donc que devrions-nous faire ? Cela va. Si nous trouvons plus d'indices, ça devrait faire évoluer la situation. C'est tout ce que nous pouvons espérer pour le moment. C'est pourquoi Alter Ego... So. Tout ce que nous pouvons faire, c'est attendre et croire en nos amis. Tu as raison. C'est la seule option. Nous nous sommes séparés et je suis retourné dans ma chambre. Est-ce que j'ai un temps libre du coup ? Oh, je suis fatigué. Alors je me suis allongé sur mon lit. Peut-être que c'était à cause du stress de transporter Alter Ego, mais j'étais bien plus fatigué que je ne l'imaginais. Et en un clin d'œil. Étrange ça. Je m'étais endormi. Ah. Il y a quelqu'un qui sonne. Hein ? Le son tranchant de la sonnerie perça le voile de mon sommeil et me tira dans la dure réalité. Voyons voir qui c'est. Naegi-kun. Oh ! Makoto, sors d'ici. Kyoko, qu'est-ce qu'il se passe ? Hey. Ina est venue me voir. Elle était blanche comme un linge. On dirait qu'il s'est passé quelque chose. Oh non ! Quoi ? Dès que j'ai entendu ces mots, mon cœur commença à battre un peu plus vite. Je me suis soudainement trouvé bien éveillé. Elle nous a dit de nous retrouver dans la salle de jeu. La salle de jeu ? D'accord, faisons vite. Hé, hey, Ina. Non, Makoto, Kyoko. Ina, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un problème. Dans la salle de jeu. À l'intérieur ? Il y avait une fenêtre sur la porte de la salle de jeu, et je me suis dépêché de regarder à l'intérieur. Et quand je l'ai fait... Sakura ? Elle est inconsciente ? Elle est assise sur la chaise comme si elle inclinait la tête. Oh oh ! Qu'y a-t-il ? Lui est-il arrivé quelque chose ? J'ai passé juste devant et je l'ai remarqué à travers la fenêtre. Mais je n'arrivais pas à ouvrir la porte. J'ai essayé de toquer, de l'appeler, mais elle ne réagissait pas.
Alors qu'est-ce qu'on devrait faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Tout d'abord, nous devons entrer dans cette pièce. Mais la porte est verrouillée, non? Et si on l'enfonce, on transgressera le règlement de l'école. C'est vrai, ça. J'y avais pas pensé. Nous allons devoir forcer. Je viens de dire que... La porte n'est pas verrouillée, car la salle de jeu n'a pas de verrou. Hein? Bah alors pourquoi? On dirait que la porte fait pression sur quelque chose dans la pièce. Serait-ce la chaise? La chaise? Quoi qu'il en soit, la porte n'est pas verrouillée. Cela signifie, si je ne me trompe pas, que la règle ne s'applique pas. Ah bon? Alors ce n'est pas problématique si on l'enfonce? Brisons la vitre. C'est sûrement le moyen le plus rapide. Ouais, là c'est de la dégradation quand même. D'accord, j'ai cherché quelque chose pour la briser. Attendez-moi ici. Dans la salle de jeu, Sakura n'avait toujours pas bougé. Ouais, bah elle est morte, hein, quoi. Elle est simplement inconsciente, pas vrai? Elle va bien. On parle bien de Sakura, je suis sûr que... Oh oh. Kyoko n'a pas répondu. Il n'y avait qu'un silence. Mais ce silence ne dura pas. Voilà! J'ai trouvé un balai dans la salle de classe. Utilisez ça! Tu peux t'en occuper, n'est-ce pas, Makoto? Allez! Dépêchez-vous, je vous en supplie! D'accord, vous deux reculez. Je saisis le balai et frappé aussi fort que j'ai pu, visant directement la vitre. Il aura fallu une frappe solide. La fenêtre se brisa en une centaine de petits bouts, répartis sur le sol de la pièce. J'ai passé ma main à travers la fenêtre, à présent ouverte, et j'ai commencé à bousculer la chaise contre la porte. La chaise est assez lourde, mais si j'arrive à... J'ai poussé toutes mes forces et la poignée s'est finalement tournée. Sakura ! Je me suis rué vers elle aussi vite que j'ai pu, mais au moment où j'ai posé ma main sur elle... Je n'ai senti que la mort glaciale. Je ne pouvais sentir que tous les derniers restes de chaleur d'un corps vivant. La vie avait abandonné le corps de Sakura. Et ensuite... Un corps a été découvert. Après un certain laps de temps, vous pouvez utiliser comme bon vous semble. Le procès de classe débutera. Et bien voilà, nous avons notre nouveau mort. Hein? Sakura-chan. Sakura. Oh la pauvre. Sakura-chan. Elle va devenir folle, Asahina. Shinjatta-no? J'entendais Ina parler. Et mes yeux restaient fixés droit devant moi. Je ne pouvais que regarder le corps sans vie de Sakura. Nous ne sommes pas arrivés à temps. Ça s'est encore produit. Murmurant pour elle-même, Kyoko se mit à inspecter calmement le corps de Sakura. Était-elle en train de confirmer la mort de Sakura? En train de chercher un pouls ou une réaction? Il faut que j'aille les chercher. Je dois aller les chercher, les autres. De ses jambes tremblantes, Ina sortit de la salle de jeu. Et moi... Pourquoi? Pourquoi c'est arrivé? C'est tout ce que je pouvais dire. J'ai répété ça encore et encore. Je dois examiner le corps de Sakura. Je restais immobile derrière elle, tandis qu'elle vérifiait le cadavre de Sakura. Le temps s'écoula, alors que je me tenais là. Incapable de faire quoi que ce soit, le temps s'écoulait simplement. Et après je ne sais combien de temps. J'ai ramené tout le monde. Ah, oh, alors elle est morte. Sakura a été tuée. Je vois. Dès qu'il fut arrivé,
De quoi commence ça? Chut. Vous avez entendu l'annonce à l'instant, n'est-ce pas? Vous savez donc ce que cela signifie. Omoshiroi. Sakura a été assassinée, et par quelqu'un qui se trouve dans cette pièce. Est-ce que tu t'apprêtes... Ah, il y a une faute là. Est-ce ce que tu t'apprêtes à dire? Désolé. Non, non. Lui qui l'a tué. Mais pas simplement quelqu'un qui se trouve dans cette pièce. C'était l'un d'entre vous. Hiro, Byakuya, Toko, l'un d'entre vous a tué Sakura. Quoi? Tu nous accuses avant même que nous ayons commencé l'enquête? Je n'ai absolument pas besoin d'enquêter sur quoi que ce soit. Parce que vous la détestiez. Vous détestiez la voir. L'un de vous l'a fait, je le sais. Tu le sais? Qui ça? Ah, c'est Monoko. Bon sang, je ne pensais pas que ton niveau de puissance augmenterait autant. Simplement, mets-toi en colère. Qu'est-ce que tu fais là? Mais c'est pas évident, je suis ici pour distribuer mes petits prospectus de mort. C'est ça, le prochain dossier, Monokuma. Et ne t'énerve pas tant, Misa Zaina, ou tu vas gâcher ton petit visage obscène. Parfait, sur ce jeu... Un instant. Il y a quelque chose que je voulais te demander. Ah. Oh. Et toi, non? Tu as tué Sakura? Hein? Sakura voulait défier l'instigateur en duel. Peut-être que vous êtes à nouveau battu et ensuite... Et ensuite, je l'ai tué? Désolé, pas exactement. En fait, pas du tout. Tout ça n'a plus aucune importance maintenant. Sakura, on est arrivé à l'issue la plus tragique sans avoir même la chance d'en finir avec moi. D'ailleurs, Dieu merci pour ça. Cela m'a épargné la peine de devoir subir notre petit combat. Parce que même pour quelqu'un comme moi, ça aurait été un exploit de démolir un tel mastodonte. Je dois avouer que j'étais plutôt inquiet en fait. Je veux dire, elle a violé les règles en m'attaquant dans un premier temps, mais je n'ai pas pu la punir. Donc je ne sais pas qui c'était, mais peu importe qui est le perpétrateur cette fois, je t'en dois une. C'est faux, il sait exactement qui c'est parce qu'il sait tout, logiquement. Tu lui en dois une? Oups! Avant que tu ne deviennes tout énervé toqué, tu devrais plutôt d'abord trouver qui l'a fait. Après tout, vos vies sont en jeu, je me trompe. Mais qu'est-ce que... Il lui en doit une? Je le déteste! Je déteste tout ça! Eh bien, en ce qui me concerne, je suis ravi qu'il s'agisse de Sakura. Elle travaillait pour l'instigateur, après tout. Comment est-ce que tu peux dire ça dans un moment pareil? Navré, je n'ai pas de temps pour vos chamailleries. Le prochain jeu a déjà commencé. Si tu souhaites en vouloir à quelqu'un, énerve-toi après celui qui a tué Sakura. Pour le moment, notre priorité absolue doit être de démasquer le tueur de Sakura. Si nous échouons, nous sommes tous morts. Choisissons alors la personne qui montera la garde cette fois. Ah bah, ça va limiter là, parce que Sakura, c'était bien pour monter la garde. Elle était costaud. Et là, il reste que des... oui, bah oui, forcément. Je vais m'en charger. Il y a Zaina qui va s'en charger. La peau, bah elle va craquer, hein, Ina. Zaina, je vais bien. Laissez-moi juste m'en occuper. De plus, je vais être ici, avec Sakura. Très bien, Ina sera donc le premier garde. Mais il nous en faut un second. Yoko, ce sera toi. Moi? Tu es une nuisance à chaque fois. Cette fois, contente-toi de rester ici et d'observer sans faire de bruit. Considère qu'il s'agit d'un ordre. Ouais, pour qui tu te prends, toi? Un ordre? Eva. Bien. Je vais rester là. Moi, ça m'embête un peu parce que c'est une super enquêtrice quand même, elle, un peu. Hein. On dirait qu'elle connaît déjà quasiment l'issue de tous les... C'est vrai, on dirait qu'elle connaît l'issue de quasiment tous les tribunaux. Tous les procès. Ah, c'est un peu perturbant, en vrai. Alors, c'est décidé. Ne devrions-nous pas commencer? Attends! Avant ça, il y a quelque chose que je voulais dire. Nanda. De quoi s'agit-il? Hiro, Byakuya, Toko, aucun de vous n'est autorisé à mettre un pied sur la scène de crime. Quoi? L'un de vous a tué Sakura.
On ne peut pas laisser une telle personne s'approcher d'elle. Ne sois pas si stupide, nos vies sont tout autant en danger que la tienne. Nous avons le droit d'enquêter. Je m'en fous de ce que tu peux dire. Je ne vais pas laisser celui qui a tué Sakura s'approcher d'elle. Et même si pour ça je dois utiliser la force, vous ne passerez pas. Bien. Il apparaît que de plus en plus de discussions ne mèneraient à rien. Que penses-tu d'un compromis? Je ne vais pas te demander de tous nous laisser approcher, uniquement moi. C'est pas un compromis, ça. Quoi? Là, vous êtes égal, n'est-ce pas? Vous êtes inutile de toute façon. Aïe. Yep, je m'en fiche. Je préférerais plutôt passer mon temps à imaginer un autre fantasme splendide impliquant le maître de toute façon. Et toi, Hiro, as-tu une réelle objection? Si tu pousses le bousson à ce point, qu'est-ce que je peux y faire? Ben, j'ai rien à cacher, alors pourquoi est-ce que je devrais me sentir concerné? Alors c'est décidé. Rien n'est décidé. Je sais ce que tu ressens, Ina. Mais tu devrais accepter sa requête. Mais... nous devrions découvrir qui a tué Sakura. Pour ceux d'entre nous qui sont encore en vie, et pour honorer la mémoire de Sakura. D'accord. Je suppose que c'est bon. Mais quoi qu'il arrive, Byakuya, tu n'as absolument pas le droit de la toucher. Naturellement, qui voudrait toucher un cadavre immonde? Arrêtez vos disputes. Nous devons nous concentrer sur l'enquête à partir de maintenant. Gardez tous bien cela à l'esprit. Nous ne pouvons pas découvrir qui est le tueur de Sakura. Chacun d'entre nous sera exécuté. Sauf le tueur. Découvrir qui a tué Sakura. Il ne s'agit pas d'espérer pouvoir y arriver. Si nous voulons survivre, nous devons le faire. C'est une sorte d'espoir sans espoir. Nous n'avons pas d'autre choix que d'y arriver. Et c'est parti pour l'enquête. Je ferais mieux de vérifier le dossier Monokuma pour commencer. La victime est Sakura Ogami. L'heure de la mort est estimée aux alentours de midi. Donc c'était dans la journée. En même temps, on l'a vu ce matin. Le corps a été découvert dans la salle de jeu au deuxième étage de l'école. Je suis un peu surpris que Sakura et Ina soient pas restées ensemble. Parce que bah, déjà, elles se collent tout le temps. Et là, bah, clairement, Sakura n'était pas très, très bien vue. Moi, je pense que Ina serait restée avec elle tout du long. Sauf si Sakura lui a dit, bah va-t'en, on doit faire un truc, je sais pas. Le corps a été découvert dans la salle de jeu au deuxième étage de l'école. Il y a des signes d'un puissant coup porté à la tête de la victime. Pas d'autres blessures sont à noter. Cependant, il semble qu'à un moment donné, la victime ait souffert de violents vomissements de sang. Oh. C'est du sang dans la terre. Oh. Mais. Je pense que l'affaire présente pourrait être un défi. Pourquoi ? Le seul accès à la salle de jeu est la porte par laquelle nous sommes entrés. Et cette porte a été bloquée avec la chaise de l'intérieur de la salle de jeu. Ce qui signifie que le tueur se serait échappé d'une façon ou d'une autre, après avoir barré la porte. Donc si la porte était bloquée de l'intérieur, et qu'il n'y avait aucun moyen d'entrer ou de sortir jusqu'à ce que nous brisions la fenêtre, il n'y a vraiment aucune issue, pas vrai? Il y a peut-être un passage caché du coup. C'est mal. En d'autres termes, c'est un cas classique de meurtre en chambre close. Meurtre en chambre close? Je suppose qu'on peut voir ce genre de choses dans beaucoup de films et de livres avec des énigmes. Mais est-ce que ça peut vraiment se produire dans la vraie vie? Et juste devant nos yeux comme ça? Non. Je souhaite que tu m'entendes davantage sur ce qu'un meurtre en chambre close implique. Bien sûr, si ça ne te dérange pas. Eva. Lorsque tu analyses ce type de meurtre énigmatique, il en ressort quatre types élémentaires. Le premier est lorsque la chambre close est créée après que le véritable crime ne soit commis. Cela veut simplement dire que le tueur commet son crime, puis qu'il scelle la pièce avec une méthode particulière. Cela implique essentiellement une espèce d'astuce concernant le verrouillage de la pièce. Une approche simple inclut l'usage d'une ficelle ou d'un mécanisme simple. Il y a plusieurs types de variantes. Donc pour ça, on a juste à examiner la porte pour voir si c'est ce dont il s'agissait, c'est ça? Ça. Le deuxième type est lorsque la chambre close est vide déjà avant que le crime ne soit commis. Oh. C'est mal.
En résumé, le tueur utilise un engin spécial, ou un outil depuis l'extérieur afin de simuler la victime à l'intérieur. Tu presses un interrupteur, et ça déclenche une arme à feu. Tu tires une flèche à travers un trou dans la porte, quelque chose de ce genre-là. D'accord. Mais pour cette affaire, ça ne semble pas le correspondre. Il n'y a pas d'arme à feu ni de flèche dans l'école. Et la porte n'a aucun orifice permettant un tel mécanisme. Ouais, je pense qu'on peut probablement rayer ça de la liste. Son. La troisième est lorsque le tueur reste dans la pièce jusqu'à ce qu'elle soit ouverte. Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est mal. Il reste caché, et lorsque la porte est ouverte, il profite de la confusion pour se mêler au groupe. Le prétend est arrivé en même temps que tous les autres, et voilà. Ça semble possible peut-être, mais... Son. Et le quatrième et dernier type est lorsqu'il n'y a en fait... pas du tout de chambre close. Pas de chambre close. C'est mal. J'entends par là qu'il y a en réalité une sortie alternative, quelque part à l'intérieur de la pièce. Pour le moment, c'est le truc qui semblerait le plus crédible. On voit beaucoup ce stratagème dans les romans, mais en réalité, ce n'est généralement pas possible. Tu penses qu'on peut rayer ce type de la liste aussi? Je le pense, oui. En ce qui concerne les mystères en chambre close, voilà les principaux éléments. Il y a donc 4 possibilités. Alors, Kyoko, lequel de ces 4 choix semble être le plus probable dans cette affaire? Son. C'est une bonne question. Répondre à ça devrait être notre objectif principal pendant ce procès. Mais à l'heure actuelle, je suis certaine de rien. Je vois... La manière dont le tueur a mis en place la chambre close. Jusqu'à ce que je le découvre, la vérité derrière la mort de Sakura restera cachée. C'est effectivement un mystère difficile. Je dois me concentrer et enquêter autant que possible. Pour Sakura au moins. Ah bah y'a tout le monde. Wouah, y'a plein de trucs. Ah bah là aussi. C'est quoi ça? Ah c'est nous qui l'avons cassé ça. Hein. Il y a une sorte de récipient en plastique qui roule à côté de l'entrée de la pièce. Ça ressemble à une boisson protéinée. Et c'est vide. Sakura a dû la boire. Tout le monde sait à quel point elle aimait ses protéines. Et elle a mentionné plus d'une fois comment les protéines étaient efficaces pour toutes sortes de monde. Je ne prendrais pas cela au pied de la lettre si j'étais toi. Je sais. Mais quand bien même cette canette de protéines... Alors il y a un truc bizarre, c'est que sur l'image de droite, elle est sur le vert. Si c'est nous qui avons cassé, bah soit elle a roulé par-dessus après. Mais là, ça me paraît bizarre, il y a quand même pas mal de trucs. Ouais, sinon si. On aurait pu te shooter dedans et ça roule par-dessus le vert après. Ou alors... Ou alors le vert était déjà là, en fait. Il y aurait eu déjà des bris de verre. Sinon... Bah, sinon, je vois pas, en fait. Il y a un label où il est écrit Shim A2. Ah, Shim A2. Kem. Là, on me rappelle que Sakura a mentionné que le laboratoire de chimie avait toutes sortes de trucs de santé. Donc, elle a dû avoir ça au laboratoire de chimie. Mais c'est étrange. Hein? De quoi? Non. Mais tu vois ce qui est éparpillé tout autour de la bouteille? Des fragments de verre bleu? Il doit s'agir des morceaux de la fenêtre que j'ai cassé pour entrer à l'intérieur. Bon, je pense qu'elle va dire ce que j'ai dit avant, en fait. Mais ils ne sont pas seulement tout autour de la canette. Ils sont aussi en dessous. En quoi c'est important? Ah, t'es un peu bébête, hein, Naegi? Soleva. Je ne peux encore rien assurer, mais tu voudras probablement le noter. J'ai l'impression que cela deviendra un indice important par la suite. Un indice important? Je ne suis pas sûr de voir comment. Bah t'es un peu bébête. Hein. Il y a quand même la possibilité qu'elle ait roulé après dessus, hein, mais bon. Bref. Il y avait 15 millions de trucs hein, dans cette pièce. Il y a une chaise là. La chaise était poussée contre la poignée pour qu'on ne puisse pas ouvrir la porte. Il n'y a pas la moindre preuve que... qu'un quelconque mécanisme ou fil ait été utilisé sur la chaise. Ok. En d'autres mots, il n'y a pas de raison de penser que cette chaise ait subi quelque chose de spécial. Ça marche.
Cette porte est la seule manière d'entrer et de sortir de la salle de jeu. Cette porte n'a pas de verrou et il n'y a rien qui prouve qu'elle aurait pu être trafiquée. Alors il y a un truc qui m'embête, c'est que Kyoko elle a écarté la thèse du « il y a un passage secret ». Alors ça me paraît le plus probable à la base. Et bon bah soit c'est peut-être pour simplifier l'enquête. Et j'espère qu'ils vont pas nous sortir pendant le procès. En fait il y en avait un, parce que là c'est un petit peu trop orienté, ce serait très désagréable. Le seul changement de table de cette porte, c'est la fenêtre brisée. Qui est arrivée quand bien sûr j'ai dû la casser pour entrer dedans. Il n'y a aucune preuve qu'un quelconque mécanisme ait pu être utilisé sur la porte. En d'autres termes, je ne vois rien de suspect en ce qui concerne la porte elle-même. Après avoir examiné à la fois la porte et la chaise, il est apparent que la porte ne s'est pas ouverte simplement à cause de la chaise. Elle a empêché la poignée de tourner et la porte de s'ouvrir. Et rien ne prouve que la porte ou la chaise n'ait été trafiquée. Le tueur a donc sûrement créé la chambre close de l'intérieur, pas de l'extérieur. Ça je l'avais vu tout à l'heure. Ça ressemble à une sorte d'emballage. Ah c'est... Est-ce que tu reconnais ça, Ina? Eh bien oui, je veux dire, c'est moi qui lui ai donné. C'est un emballage de bonbons. Waouh, le bonbon il est géant. Elle était super énervée quand elle a su que Sho, la génocidaire, m'avait attaqué, pas vrai? Donc après être allée à l'infirmerie, je lui ai donné. J'ai pensé que ça pourrait l'aider à se calmer un peu. Tu as donc donné ce bonbon à Sakura? J'en ai trouvé une grosse boîte remplie dans l'entrepôt. Je les aime beaucoup. En fait, dès que nous avons pu entrer dans l'entrepôt, on est ramené une boîte pleine dans ma chambre. J'ai fait en sorte que personne d'autre ne puisse mettre la main dessus. Ah bah bravo! Je les aime vraiment à ce point-là. Mais je voulais que Sakura ait la possibilité d'en goûter. D'en goûter un pour elle-même. C'est pour ça que je lui ai donné. Mais maintenant... Ils ont perdu toute leur saveur. Oh la pauvre. Bah, j'espère que c'est pas elle la tueuse, parce que je vais être dégoûté. Hein. Ina. L'emballage de bonbons à pois rouges. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Oh, je l'avais pas vu. La grosse tache de sang là-bas. Il y a une tache de sang devant l'étagère des magazines. Cela doit venir de Sakura, non? Mais ça n'a aucun sens. Pourquoi est-elle aussi loin de l'endroit où elle est morte? C'est une bonne question. Après, peut-être qu'elle s'est pris le coup et qu'elle a marché, ou alors qu'on l'a posée sur la chaise après. Ouais, ce serait plus sain. Ouais. Hop là. Alors, on va regarder l'horloge, mais il n'y a rien dessus. Il est maintenant environ 13h. D'après le dossier de Monokuma, Sakura est morte vers midi. Donc il y a environ une heure. Était-ce quand moi et Kyoko déplacions Alter Ego? Demo. Mais pour avoir tué Sakura... Ouais, et elle n'est pas du genre à se laisser abattre sans combattre. Son. Elle ne s'est certainement pas laissée faire, je dirais. Elle était l'ultime artiste martial. Forte dans son corps, son mental... Et son esprit. Comment le tueur a-t-il donc été capable d'avoir l'avantage sur elle? Ça, c'est une super bonne question. Je me demande, quelqu'un a-t-il vraiment l'avantage? Elle doit avoir été prise par surprise, non? Tashikani. Certainement. Le tueur en aura eu besoin s'il s'attendait à avoir la moindre chance contre elle. Ça, c'est super risqué. Hein, super risqué. Nanda. Que veux-tu? Tu me déranges, pas tant. Il n'essaie même pas de cacher à quel point il me méprise. J'aurais mieux d'y aller avant qu'il ne brise totalement mon âme. Azaina. On sait déjà qui s'en est chargé. Yakuya, Toko ou Hiro, ça doit être l'un d'entre eux. En fait, comme tu le cites tout sens, ça paraît suspect et... Enfin, après, on la comprend en même temps. Elle est en mode... Enfin, son ami a été tué, c'est les trois qui n'étaient pas ses alliés qui sont les suspects les plus potentiels. Mais le fait qu'elle insiste tellement dessus, c'est suspect quand même aussi. En fait, ça la rajoute dans les suspects. Peut-être fait exprès, en vrai.
Il ne supportait pas de la voir. Tu es d'accord avec moi, hein, pas vrai, Makoto? Je ne veux rien assurer sans en découvrir davantage. Alors laisse-moi t'aider. Tu vois, Sakura leur a demandé à tous les trois de la rencontrer. Tu sais où? Ici, dans cette salle de jeu. Ah ah, et c'est maintenant que tu le dis. Quoi? Après que je sois allé à l'infirmerie ce matin, Sakura et moi, on est restés ensemble, pas vrai? Et elle a fini par s'en aller seule. Mais quand je l'ai revue après ça, elle m'a dit qu'elle avait laissé un mémo pour chacun d'entre eux. Elle leur a demandé de la rencontrer dans la salle de jeu avant midi. Vers midi, Gossi Monokuma dit qu'elle est morte à ce moment-là. Je te dis la vérité, je l'ai entendue de Sakura elle-même. Et j'ai essayé de l'arrêter. Mais elle n'a pas voulu m'écouter. Elle m'a dit de ne pas m'inquiéter, qu'elle voulait simplement leur parler. Et voilà le résultat. Si je l'avais arrêté, même par la force, ça ne serait pas arrivé. Alors je crois que par la force, tu te serais fait démonter. Ina, il est impossible de ne pas avoir de regrets, je sais. Hop, mais c'était intéressant ce qu'elle a rajouté. Mais le fait qu'elle ait demandé à ces trois-là de la rencontrer, et elle leur a demandé de venir à la salle de juste à midi, au même moment où... Et au même moment et lieu où elle est morte. Ce serait une bonne idée de confirmer ce que je viens d'entendre avec eux trois directement. Tout à fait. On va quand même vérifier les derniers éléments du décor. Des éclats de verre. Il y a des éclats de verre éparpillés tout autour de la chaise où Sakura est assise. C'est écrit Sakura. Ah, de verre. C'est une bouteille en fait. Le verre est tout rouge et... Ce sont les parties du haut et du bas d'une bouteille, non? Alors à l'origine, c'était une bouteille. C'est peut-être avec ça qu'elle a été assommée, du coup. Par contre, ce que je comprends pas, c'est pourquoi c'est là, à côté de la chaise, alors que la tache de sang, elle est de l'autre côté. Alors, beaucoup de trucs louches dans ce stream. C'est évident que tout a un sens, hein, mais bon. Hein? Il y a quelque chose d'autre sur le sol près du verre. C'est une figurine. Elle tient dans le creux de ma main. Ah ça, on les a déjà vus, c'est pas dans cette pièce qu'il se fait, ça. C'est une figurine Monokuma. On va vérifier. Ah oui, c'est là, regardez, elles sont là, les bouteilles. Mais bon, du coup, pourquoi la tache de sang est là-bas? C'est quand même très bizarre, ça. Oh, il y a... Regardez le placard, il y a des mains dedans. Il y a des traces de mains, c'est trop bizarre. Hein? Le casier ouvert est à l'intérieur. Est une empreinte de main? Nothing. Que fait une empreinte de main ici? On dirait que quelqu'un a touché l'intérieur du casier et a laissé une empreinte dans toute la poussière. Son. Et ça a l'air assez récent d'ailleurs. On dirait plutôt que quelqu'un était caché ici dans le casier et a laissé derrière un petit indice. Alors au début, quand elle a énoncé les possibilités, elle disait c'est possible que la personne était restée encore à l'intérieur de la pièce. Et qu'elle soit sortie de ta cachette quand on a trouvé le corps. Plutôt quand tous les autres sont arrivés. Le truc, c'est que ça paraît un peu bizarre que personne n'ait vu quelqu'un sortir de ce casier. Je veux bien qu'il soit choqué, mais quand même. Par contre, il y a des traces de main dessus, c'est super bizarre. Alors, peut-être que le tueur s'est caché ici jusqu'à ce que la chambre close soit ouverte. Tu ne penses pas? Et pendant que la confusion régnait, il s'est faufilé en dehors du casier et a rejoint le groupe. Malheureusement, ce n'est pas une possibilité. Hein? Pourquoi pas? Mais... Repense-y. Avant que l'on ouvre la porte, on a regardé à travers la fenêtre de cette salle. Il me semble que le casier était déjà ouvert. Ouais. Alors là, on voit pas les traces, par contre. Ah ouais, le casier était déjà ouvert à ce moment-là. Il est donc impossible que quelqu'un ait pu se cacher là-dedans jusqu'au moment où nous avons ouvert la porte. Ouais, alors... Que veut dire cette empreinte? Enfin, ces empreintes, parce qu'il y en a plein quand même. Il est super bizarre, hein, ce crime-là. Il y a 4 bouteilles rouges alignées sur l'étagère. Par contre, ce qui est bizarre là, par contre, c'est que on dirait qu'il en manque 2. Il y a 2 espaces, on dirait qu'il en manque 2. Au niveau des pièces, on a la tour, le pion
le fou. Je crois que c'est le cavalier qui avait en bas. Du coup, il reste 3 RN. Je me demande comment on fait pour mettre les figurines à l'intérieur des bouteilles. Il n'y a pas de différence avec l'habituel bateau dans une bouteille. Hein? Tu sais, quand l'ouverture de la bouteille est plus petite que le bateau placé à l'intérieur. Tu n'as jamais vu cela? Ah ouais, peut-être bien. C'est moi. Et la version Monokuma. Une bouteille Monokuma, si tu veux. Ok. J'ai l'impression que je commence enfin à comprendre les choses petit à petit. Les bouteilles Monokuma sur l'étagère. La figurine Monokuma que nous avons trouvée au sol. Les éclats de verre rouge qui viennent probablement d'une bouteille. Tu voudrais dire que Sakura doit avoir été frappé à la tête avec une bouteille Monokuma, non? Waouh, quel détective! Les éclats de verre et la figurine Monokuma en sont la preuve. Alors, c'est pas une preuve totale, mais c'est une preuve qu'on a cassé une bouteille et qu'il y avait la pièce dedans. Je peux pas dire que c'est ça qui a frappé, qui a été utilisé sur Sakura. Mais bon. De toute façon, il y a plein de possibilités en vrai. Je pense donc qu'il est raisonnable de dire que la bouteille Monokuma était l'arme. Là, par contre, c'était pas noté dans le. Dans le Monokuma file. D'habitude, ils mettent le type d'arme. Alors, est-ce que j'ai raté des trucs? Le corps de Sakura, hein, bien sûr. Présentoir, peut-être? Oui, présentoir, on n'a pas regardé. Cette même étagère remplie de magazines. Il y a plein de magazines différents ici. Ok. Sakura a poussé son dernier souffle, assise, penchée en avant sur cette chaise. Il y a des traces évidentes du coup à la tête dont peut souffrir Sakura. En temps normal, je n'aurais aucun mal à croire que c'est ce qu'il a tué. Mais selon le dossier Monokuma, elle a également vomi du sang. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié ça. Ah ouais. Et je ne peux voir une trace de sang sur ses lèvres. Ça ne fait aucun doute. Donc qu'est-ce qui pourrait l'avoir fait vomir du sang? Bah du poison. Il y en avait justement dans la salle de chimie. Le dossier Monokuma précise explicitement qu'elle n'a pas souffert d'autres blessures. Hop. Peut-être que le fait d'être frappé à la tête a provoqué d'une façon ou d'une autre des vomissements de sang. Pas la moindre chance. Byakuya ? Pourquoi ? Je soulève un sujet des plus intéressants. Intéressant ? Oui, intéressant. N'es-tu pas d'accord ? Non, je ne pense pas que je dirais intéressant. Mais ça m'intrigue. La raison pour laquelle Sakura a vomi du sang est forcément liée à la cause de sa mort. Ok. Du coup, bah pour reparler à... Bah je vais essayer Kyoko, mais c'est à Byakuya qui peut reparler surtout. Non. Elle était l'ultime artiste martial, porte dans son corps, son mental et son esprit. Comment le tueur a-t-il donc été capable d'avoir l'avantage sur elle? Je me demande, quelqu'un a-t-il vraiment eu l'avantage? Ça, j'ai déjà lu en fait. Alors, je suis désolé pour ma voix, hein, je pense que ça s'entend, elle commence à être cassée. Mais j'ai bientôt arrêté l'épisode là, donc je termine quand même cette phase. Nanda. Que veux-tu? Tu me déranges. Il y a quelque chose dont vous jette pas. Je voudrais te parler. Fais vite. Est-ce que c'est vrai que Sakura t'a demandé de la rencontrer dans la salle de jeu? Alors tu sais. Intéressant. Donc c'est vrai? J'ai bien reçu une note à cet effet, oui. Mais quel idiot ferait ce qui est écrit? Et risquerait de se faire tuer par ce monstre. Alors tu n'es pas allé la voir? Bien sûr que non. J'ai déchiré la note en lambeaux et je l'ai jetée. Je ne l'ai pas vue toute la journée. Byakuya dit qu'il n'est pas allé la voir. Est-ce que c'est la vérité? Bon. À moins que je ne puisse prouver le contraire, il n'y a pas d'autre choix que d'accepter ce fait. Oui. Si tu as fini, retire-toi de mon champ de vision, s'il te plaît. Ok, merci. Eh bien, Makoto, en as-tu terminé avec l'essentiel de l'enquête? Ouais, je pense à peu près. Alors tu devrais probablement aller parler aux autres maintenant. Tu te gardes, je ne peux donc pas partir. C'est pourquoi j'ai décidé que tu irais à ma place. Elle a décidé. Elle est devenue plus autoritaire depuis que nous avons eu notre dispute.
Mais elle a raison, je dois aller parler aux autres. Sakura voulait rencontrer deux autres personnes, je dois écouter ce qu'elles ont à dire. Hop. Alors, on va sortir de la pièce. En fait, je voulais sortir un peu, vérifier la porte. Voilà. Ces deux-là sont probablement retournés dans leur chambre. Hop. Et nous, on va sauvegarder. Et nous allons bien évidemment nous laisser là. Bon, désolé pour la voix cassée à la fin. J'arrivais plus à faire les volants. Bon, c'est pas très très grave. Eh bien, voilà, on a notre nouveau meurtre. On a ben, la suite d'enquête à faire en interrogeant les Toko et Agakure, je crois. Je me tombe toujours dans son nom. Et puis, ben, j'imagine qu'on enchaînera avec le procès. Peut-être au prochain épisode qu'on aura le procès, ça dépend s'il se passe des choses. Ou si on est déjà au bout de l'enquête, c'est possible. En tout cas, moi j'espère que cet épisode vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine. Bye.